Soutenir le mouvement qui naît en Europe et en particulier en Europe du Sud contre l'austérité, mais plus que ça, pour essayer d'inventer une société où le citoyen retrouve son pouvoir, sa place et où l'humain est au centre de tout. La deuxième chose, je suis venue pour dire que nous les Français, on devait soutenir cet éveil de l'Europe du Sud et soutenir ces pays pour qu'ils ne soient pas sous l'étreinte de l'austérité. On voit bien le rapport de force qui s'exerce contre la Grèce et je trouve qu'on est trop absent pour dire que la France devrait s'opposer à l'attitude de l'Union européenne sur la Grèce. Et puis en troisième lieu, je viens un peu dans l'espoir que dans notre pays, sous des formes différentes, parce que chaque pays a son histoire et ses situations, on reprenne le flambeau, nous la gauche, et je l'espère une gauche capable de se rassembler, d'une autre Europe, avec d'autres priorités, la question sociale, la question du développement, la question du pouvoir citoyen. Et c'est aussi un petit message pour le pouvoir socialiste, que je trouve trop timide et parfois un peu limite dans l'engagement qui avait été pris de réorienter l'Union européenne.